la maladie à coronavirus, un virus qui fait des victimes partout dans le monde. Ici à Bouaké, les autorités sanitaires s'activent à mettre en œuvre les dispositions gouvernementales. Depuis même l'avènement de l'épidémie, nous sommes tous en alerte. Les équipes se sont déployées sur le terrain. Les équipes sont à la recherche des cas contacts pour qu'on puisse freiner l'épidémie. Ces mesures prennent en compte l'utilisation des gels hydroalcooliques et des cache-nez. Cependant, ces produits et équipements sont en manque dans les supermarchés et pharmacies. C'est des ruptures un peu partout dans le monde entier. Ici, nous avons trouvé la parade, nous avons passé des commandes avec nos fournisseurs. Ce sont les gestes simples de la vie courante qu'on demande aux populations de répéter cette fois-ci. Cela devient donc une exigence maintenant à la pointe de l'actualité. Lavons-nous les mains avec du savon, de l'eau de robinet, rinçons les mains, séchons-les avec du Kleenex ou avec une serviette propre et on est débarrassé de ce virus. La directrice régionale de la santé insiste sur le strict respect des mesures de prévention. Il faut éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. C'est des recommandations, c'est des mesures que nous avons. Ces rassemblements sont dangereux aujourd'hui parce que vous ne saviez pas. Celui qui tousse, est-ce qu'il a été en contact? Les symptômes les plus courants sont la forte fièvre, la fatigue, la toux sèche. Certains patients présentent des douleurs, des congestions et un écoulement nasal, des maux de gorge et une diarrhée.